plaisir. En plus, j'ai fait mes études à Toulouse, à Paul Sabatier, ça fait plaisir de revenir, quoi. Ouais. Merci. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fac de maths. Comme quoi. Bon. Alors, je vais, avant de démarrer, je vais répondre à une question que tout le monde se pose ici ce soir, hein, je le sais, donc j'y réponds très franchement. Oui. Oui. Oui, 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 quand j'étais petit, je suis allé au catéchisme. Voilà. Il y en a, j'imagine, qui sont allés aussi au catéchisme. Hein, il y en a plein. Ah, le catoche, génial, hein, c'est quand même le seul endroit au monde où règne une joie de vivre que tu peux pas expliquer. Hein, tu vois, c'est... Alors moi, je suis allé au catéchisme et à la fin de l'année, je me souviens, on m'a proposé de passer ma première communion. Bon, ça s'est très bien passé, je l'ai eu du premier coup, c'est pas la question. Oh, on n'est pas là pour parler diplôme. Hein, je veux dire, non, non. Mais j'ai été vachement surpris. Ah, j'ai été surpris par la communion. Vous savez comment ça se passe, ça c'est tout le temps pareil, la communion pendant la messe, vous savez, c'est le moment où monsieur le curé sort une bouteille de vin. Ah, vous voyez, ça c'est le code, ça c'est le signal, c'est le top départ. Hein, ça veut dire il va y avoir la communion. Hein, d'ailleurs, les gens, ils le savent, hein, ils sont là, t'as vu, il va y avoir la communion. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, donc le curé, il s'avance comme ça avec sa bouteille, il s'avance comme ça, il fait « Ouais, la communion, ouais !» C'est allé un petit peu fort là, mais enfin bon... En tout cas, il s'avance, ça c'est sûr. Donc alors, moi j'étais sur le côté comme ça, alors, je regardais, je trouvais ça un petit peu mesquin quand même. Hein, une bouteille pour 150 personnes. Mais je dis rien, hein, je dis rien. Donc le mec, il se sert un verre, comme ça. Il le boit devant tout le monde. Ensuite, il nous appelle tous, je te jure, c'est vrai. Et quand c'est ton tour, il te refile une chips. Ah, là, t'as quand même envie de lui dire, hein. Dis donc, le vieux. Je me suis quand même pas tapé 10 minutes de queue pour me taper une chips. Et là, le mec, il aurait voulu m'étouffer, il s'y serait pas pris autrement. Il me l'a foutu dans la bouche. Mais non, il faut pas s'étonner après, c'est pour ça que tout le monde repart en faisant la gueule. Mais parce que c'est pas ça la communion, mais non, mais attends, mais si Jésus voyait ça, mais il s'arracherait les clous, c'est sûr, attends. Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, Jésus, quand il a inventé la communion, parce que c'est lui qui l'a inventé, il faut le savoir, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais non, c'était un prétexte pour faire la fête avec tous ses potes, les apôtres. Mais c'est historique, qu'est-ce que je vous dis là? Attention, ils organisaient des grands banquets comme ça, et ils pratiquaient la fameuse règle des 3 P, hein, qu'on connaît tous, règle des 3 P. Vas-y, pain, pinard, pétard. Ah. Ah si, ils s'en mettaient dans le corlet. Ah si, ils fumaient des pétards. Hein. Attends, il n'y a qu'à voir leur coupe de cheveux, je veux dire. Je... Soyez pas naïfs quand même, enfin, j'ai... Non mais... Ah. Je sais que ça peut surprendre, hein, mais il faut arrêter de croire que Jésus était un mec qui se faisait chier à longueur de journée. Ah, c'était un sacré déconneur, le jazz. Hein. Ah si, je vous assure. Par exemple... Sa blague préférée, on me l'a raconté, elle est gratinée. Sa blague préférée, c'est quand ils étaient tous complètement ivres-morts, comme ça, ils étaient là complètement bourrés, pour déconner entre eux, ils organisaient des courses de pirogues sur le lac. Bon, ben, Jazz, pour les faire marrer, lui, il partait à pied. Oh, mais, hey. Ça les faisait marrer, hein, t'es con, Jazz. T'es con. Non, mais, non, par contre, attention. Attention, c'est vrai que c'était... Jazz, c'est un mec assez rigolo, d'accord, mais faut quand même pas perdre de vue que c'est un mec super intelligent. Ah, il en avait là-dedans. Ah, parce que pour mémoire, je suis désolé, c'est sérieux, mais pour mémoire, c'est quand même lui et lui seul qui a eu l'idée géniale de compter à l'endroit. Je vous rappelle quand même qu'avant Jésus-Christ, on comptait à l'envers. 500, 499, 498, 497... Lui, il s'est pas dégonflé, il a été les voir, les mecs qui comptaient à l'envers. Bien sûr, il s'est mis devant eux, comme ça, les mains sur son slip, comme ça, là. Et ouais, c'est complètement débile, les mecs. Mais c'est vachement plus simple dans l'autre sens, hein. Allez, baltringue. Eh, Madeleine, écoute ça. Ouais, ouais. Et depuis Jésus-Christ, on fait comme ça. 0, 1, 2, 3. Hein? Finalement, c'est un petit peu grâce à lui si aujourd'hui, on est en 2007. Hein? Bon, on serait, sinon. Moi, ce soir, j'ai envie de dire... Merci, Jazz. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait.
pour les matous.